jusqu'au bout ensemble. Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième session du bikini avec Sissi 8. On se retrouve encore une fois avec un temps magnifique et une mer qui va nous motiver pendant toutes les séances. Parce qu'aujourd'hui, toujours avec Tini à la régie, yeah, buddy. On se retrouve pour une session du coup focus 100% abdos. On va travailler le gainage, les abdos profonds, le bas, tout va y passer. Vous allez voir, ça va être la folie. Et on commence de suite. Tini, échauffement, qu'est-ce qui nous attend? Tadasana à la montagne, 30 secondes. Bon, je dirais pas que c'est ton exercice préféré. Ah ouais, ça suffit. On arrête le disque rayé, s'il vous plaît. Allez, on détend un petit peu. Bon, c'est un tadasana revisité. Hein. Les pros de yoga, vous n'êtes pas m'engueuler. Je les vois venir. On s'étire un petit peu. Ça nous permet de rentrer dans la séance. Ensuite, on enchaîne sur un soleil. Ok, on détend. Vous voyez un petit peu les ischios. 5 secondes. On déroule le dos. Ça nous fait du c'est bien. Parti. Ok. Donc pour le, alors le soleil, ça c'est une appellation maison aussi, c'est comme Sébastien le crabe. Hein. C'est pareil. On respire bien. C'est un beau soleil aujourd'hui ici. Exactement, on est dans le thème. Regardez ça. Est-ce qu'on n'est pas gracieux aujourd'hui? Avec cette petite tenue vert d'eau qu'on aime beaucoup. On inspire bien, on souffle. On enchaîne après sur un V-pilate. Ok. 3, 2, 1. Alors. Pied en V, comme le nom l'indique, hop, on contracte, on twist en expirant, on inspire au centre. Donc là, vous devez vraiment contracter volontairement, c'est un travail d'activation. Donc on contracte les abdos et on ne doit pas pouvoir faire ça, hein. On n'est pas tout mou, non, on gaine. Twist dynamique après. Ok. 5 secondes. 3, 2, 1, go. Ok, donc là, on va venir faire un petit peu la même chose, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus dynamique. On délie un petit peu le dos. C'est vendredi, si vous faites cette séance en direct. Vous avez travaillé toute la semaine, vous avez été certainement assis. Ça fait du bien. Marcher planche après. Ok. 4, 3, 2, 1. On se met à l'extérieur du tapis, on descend en gainage et on remonte. Alors, deux options. Soit vous descendez le dos et les jambes les plus droites possibles si la souplesse vous le permet. Soit vous préférez, comme moi, fléchir un petit peu, venir en position de planche et remonter. Ensuite, c'est un planche chien tête en bas. Ok. Je sais pas ce qu'on a avec le yoga aujourd'hui, mais... Oui, je te sens très yogi, hein. J'ai une inspiration yogi sur cette fin de semaine, tu vois. Allez, c'est parti. Ok, on descend, on reste en planche, gainage, et là, on va venir étirer avant de redescendre en planche. Donc, c'est pas parce qu'on est sur un mouvement avec un peu de dynamisme qu'on ne doit pas maîtriser sa planche. Vous voyez, on redescend en position contrôlée. Avant d'étirer les ischios, chaîne postérieure, ensuite, le dos. Ensuite, spider normal, tout croisé. Ok. C'est parti. On se met donc les pieds resserrés. On rapproche le genou. On twist. On revient en position initiale. Et on change évidemment de jambe. Ok. Là, on commence à sentir que ça chauffe. Hein. Ensuite, on passe sur les genoux et on va faire des pompes. Ok. 3, 2, 1. On passe sur ses genoux. On descend en pompe et on vient étirer son corps. Tu l'avais pas un peu oublié celui-là, Tini? Ben non, je l'ai pas oublié, je te l'ai dit. Ah bon, j'ai pas entendu alors. Genoux, pompe, j'ai dit. Ouais, j'ai pas compris. Heureusement que je suis, hein, que c'est ma séance et que je la connais par cœur. Ok. On enchaîne sur un gainage latéral, twist, changement de côté. Go. Ok, gainage latéral, hop. Et on va venir twister. Vous voyez, hop, on positionne les avant-bras parallèles l'un à l'autre et on déroule.
toujours dans la maîtrise. Ok. 5 secondes. Fais du bien celui-là. Et pause. Ouh. 30 secondes de pause. Magnifique. On enchaîne ensuite sur un bloc gainage. Magnifique, on adore ça. En 45-15. Top. Avec, petite précision avant qu'on commence, 15 secondes à la carte. Donc sur la période de repos, vous aurez deux options à chaque fois. Soit vous reposez complètement, soit choisir de rester en gainage le temps de la transition. Donc ça, c'est vraiment si vous voulez un petit peu pimenter votre séance, sachant que vous avez le choix. Si c'est vous commencez... C'est parti. Gainage face, touch main côté. Ok, gainage face. On va venir avec sa main toucher hors du tapis. Termine ma petite explication qui a été interrompue par le chrono du coup. On ne gratte pas sur le chrono, jamais les filles de genre. Vous aurez donc l'option lors de la pause, sachant que vous pouvez commencer en choisissant l'option plus difficile. Et évidemment, si après ça devient un peu compliqué, passez sur l'option total repos. Hein. Si vous commencez au début avec l'option difficile, vous n'êtes pas obligé de la faire pendant une demi-heure. Hein. On va pas venir chez vous vous engueuler si vous le faites pas. Hein. Soyez rassurés. L'œil de Sauron vous voit. Mais l'œil de Sauron vous voit, c'est vrai. Vous ne pouvez rien lui cacher. Allez, 3, 2, 1. Pause ou statique. Ok. Eh ben moi, j'ai choisi l'option difficile parce que je suis là pour vous motiver les filles de jambes. Donc, on reste en gainage. Qu'est-ce qui nous attend après? On enchaîne côté coude, levée de jambes après. Ok. On passera donc sur les coudes. Vous avez compris, mais en attendant... Et c'est parti. Ok. Hop. Sur le coude, levée de jambes. Donc, toujours l'option genou au sol. Je vous le montre rapidement pour ceux pour qui ce serait... un peu compliqué. On peut commencer en gainage classique et poser son genou au sol ensuite. On inspire bien. On souffle. Là, on travaille encore le booty. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette semaine, le booty a bien pumpé, moi, je trouve. Ok. Toujours épaule droite, verticale, omoplate rétractée, hanche. Aligné avec les pieds et les épaules. 4 on secondes. Pas comme ça. Et break. Ok, on reste en statique. Si on est un warrior. La suite, c'est une torsion de buste. Ok, on peut poser le genou. Toujours pareil. Mais Tata Sissi donne l'exemple à la vie, à la mort. Vous me retrouverez en 2023. Je serai toujours sur ce ponton. Go. En gainage. Ok, allez, petite torsion de buste. Wouh. Et là, ça commence à piquer quand même, hein. On a l'épaule qui chauffe, c'est normal. On inspire bien et on déroule. Ok. On contrôle. Qu'un seconde. Yes. Allez, ça pique. On s'accroche, on lâche rien. 3, 2, 1, break. Ok. Waouh, là je prends le break, on vous voyez. On change de côté d'ailleurs. Et ben, ça tombe profite. Bien. Exactement. Et on refait la même chose avec un lever de jambes. Royal. Royal. On est en place. Et on attend le top départ. C'est parti. En position. Petit lever de jambes. On choisit l'option pour la main. Tranquillou, genou au sol si besoin, n'oubliez pas. On est vraiment au top aujourd'hui. Hein. On a une météo incroyable. Est-ce que tout ça, ça vous donne pas trop envie d'être en été? Dites-nous la vérité parce que nous, franchement, on attend ça avec impatience. N'est-ce pas, Tini? J'attends ça, évidemment, comme le Messi. Que bon, là, il fait beau, mais... Je peux vous garantir qu'on ne mettra pas un pied dans l'eau derrière. Et break. Ok, on se challenge un petit peu. Torsion de buste pour la suite. Toujours option repos. On n'oublie pas, je vous le répète, mais je crois que vous l'avez bien retenu celle-là. Torsion de buste, c'est parti. Ok, on se remet en position. Petite torsion. Alors, petite tips. Si c'est difficile pour vous de garder les deux pieds l'un sur l'autre, n'hésitez pas à mettre un pied devant l'autre. Ça va vraiment vous aider
au niveau de la stabilité. Là, on a l'épaule on fire aujourd'hui. On travaille les abdos, mais vous voyez, c'est toujours un peu deux en un avec Tata Sissi. Hein. On va se retrouver avec une épaule cœur de bœuf. On inspire et on souffle. Yes, on déroule gracieusement, regardez ça. Ok. Wouh! Ça commence à piquer, hein? Allez, 5 secondes. Ah, c'est la fin, heureusement, on s'accroche au mental. Break! Waouh! Et vous savez quoi? Oui. C'est parti pour le Big Kill. Yes, déjà! Hey, oh, tu dis, je ne nous ménage pas aujourd'hui. Non, ne nous ménage pas, je vous explique, c'est simple. On part pour 1 minute max commando. Oh, il veut notre mort. Allez. Oh là là, Tini, et franchement, les deux premières séances, t'avais été gentil, mais pas aujourd'hui. Hein. J'invite Pauline à la régie à m'aider pour le décompte. Et Pauline à la régie, toujours parmi nous, bien sûr. Pauline à la régie dans 5. On est en position. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Ok, alors, on compte 1 quand on a fait les deux côtés. Ouais. Ok, donc là, on en fait 1. Exact. Allez, les filles, on s'accroche. Ok. On en fait max sur les pieds. Si c'est inaccessible, option genou. Mais on s'accroche quand même sur les pieds. Ok, allez, on donne tout. 1 minute, ça va être long. Mais c'est ça le bikini challenge. Parce que bon, Tonton Dini avait été un peu sympa au début, mais je savais que ça allait pas durer. 30 secondes. On a fait la moitié. Allez, on donne tout. Jusqu'au bout. Je suis sûr que ça passe. On y va. Avec le mental. Waouh. 15 secondes. Yes. Allez, c'est la fin, les filles de gens. Accrochez-vous avec moi. Waouh. Wouh. 5, 4, 3. Allez, l'accélérateur. 2, 1, terminé. Oh my god. Bravo, 30 secondes de pause. Wouh. Est-ce qu'on a un décompte, Tini? 20. 20. Eh ben, c'est pas mal. C'est très et bien. Et quand même. Un commando toutes les 3 secondes. Hey, attends. On est pas mal. On se met sur le dos. Allez, on est reparti. Et on va démarrer sur un bloc abdos en 45-15 avec une chaise renversée dans 5 secondes. Super. On se met en position. Et c'est parti. Ok. Petite chaise renversée. On inspire. On souffle. Dos toujours plaqué. Abdos serrés. Allez. Genoux à 90 degrés. Yes. On pose la tête au sol. Ou on surélève ses omoplates pour intensifier l'exercice. Cette semaine, vraiment, je vous ai mis tous vos exos préférés. Hein. Abdos fessiers. Cardio legs. Aujourd'hui, full abdos bas du ventre. Spécial tie of 3, 2, 1, statique ou pause. Ok, donc soit on reste comme ça, soit on pose les pieds. Méfiez-vous, ça va se corser. On enchaîne ensuite un lever de jambes simultané. Ok, et là vous avez compris qu'il vaut mieux poser les pieds au sol. Alors on inspire bien, on va c'est tendre parti. Ses jambes. Let's go. On descend et on remonte. Si c'est trop difficile, on a aussi l'option sirène. On descend, hop, et la remontée est de suite un peu plus accessible. On peut fléchir aussi un petit peu, vous voyez. On inspire bien et on souffle. Option sous les mains, vraiment en dernier recours. Mais je préfère que vous évitiez. Ok. 5 secondes. Wow. Et pause. Oh. Oh my god. Ensuite, on enchaîne levée de jambes alternée. Celui-là, il va faire mal, mais vous allez voir, on va y arriver. On tend les jambes, alors vous les tendez autant que possible. Hein. Chacun fait avec ce qu'il a, hein, les filles de jambes, on ne juge pas. C'est parti. Et on va descendre une jambe, puis l'autre. Et là, toujours pareil, pas d'espace entre le dos et le tapis, on gaine. Yes. Allez. On peut, toujours pareil, décoller un peu les omoplates pour intensifier. Yes, allez, on continue.
Waouh. Intense, hein. Oh my god. 5 secondes. Ouh. Et pause. Waouh. Moi j'ai les jambes, elles se sont recroquevillées avec le temps. Tu vois, j'ai commencé bien raide, à la fin j'étais comme ça. Sur des lacets. Ok, on va retendre ses jambes. Et l'objectif va être, vous le savez maintenant, d'aller toucher autant que possible ses pieds. On y va. Donc je préfère qu'on ne les touche pas, mais qu'on soit dans cette position plutôt qu'on fasse ça. Hein. Vraiment, on va chercher de la hauteur. Vous voyez. Ok. Waouh, ça pique les abdos, Tigny. Hein. Et je vois ça, je vois ça. Make it burn. Oh oui, oui, ça brûle bien là. Allez, c'est la dernière partie de ce petit bloc. Royal. Il va rester un dernier exercice après. Ok. Enfin, sur le bloc bas du ventre. Hein. Ah. Tu peux éviter de nous faire des frayeurs comme ça, Tigny. Ouh, on détend un petit peu. Ses abdos, on étire ses bras, ses jambes. Waouh, ça fait du bien. On enchaîne sur des mini crunch extension de jambes. Ok, ça va être aussi. Parti. Vous allez voir. Alors, mini crunch, hop, extension de jambes. On revient. Petit crunch. Je ne sens plus mes abdos, Tini. Tu auras gagné une pause de 30 secondes après celui-là. Oh, on se donne tout alors, les filles de jambes. Yes. Allez. Hop. Donc là, on peut aller toucher aussi ses pieds si ça motive. Yes, allez. La bonne nouvelle, c'est que le bikini challenge est déjà passé. Ah, c'est vrai. Oui, c'est une très très bonne. Vu comme ça. Allez, les gens, on continue, on lâche rien au mental. Allez, pause de 30 secondes. Ouh. On relâche. Les abdos sont vraiment en souffrance aujourd'hui, mais c'est pour la bonne cause. Je vous invite à les reposer parce qu'on va enchaîner ensuite sur un Russian twist. Et ça va être chaud patate, les filles de genre. Allez, je me recoiffe un petit peu. Je remets mes petites barrettes. Je ne sais pas si vous avez noté cette coiffure quand même de qualité. Hein. Je me suis fait belle pour vous cette semaine, hein, les filles de genre. Allez, 3. On est ready pour 2, un Russian twist. 1, go. Donc, toujours deux options sur celui-là. Vous le savez maintenant, hein, il n'est pas nouveau. Soit on reste au sol. Soit on soulève ses pieds, on inspire bien dans tous les cas. Ok, quand ça devient dur, on peut poser et repartir. Mais surtout, on lâche pas jusqu'au bout. Waouh. Ok. Moi je jongle, je faisais remarquer, je pose, je lève, je pose, je lève. 5 secondes. Allez, on s'accroche. Allez, pour les 5 dernières secondes, on lève les pieds, les filles de jambes. On donne tout. Ok. On enchaîne ensuite sur le dos, levée de buste, touch pied. Ah, alors ça on aime bien, vous allez voir. On va venir toucher ses talons. Donc, on décolle seulement les omoplates. Levée de buste. Yes. Allez, go. Ok, on y va. Donc là, on doit rester en tension pendant toute la durée de l'exercice. Évidemment, plus vos pieds sont loin, plus c'est difficile. Plus vos pieds sont prêts, plus c'est facile. Donc on cherche un peu l'intensité. Écartez vos pieds au maximum. Waouh! Et de suite, je peux vous dire que c'est pas la même chose. Hein. Allez, on lâche rien. On inspire bien. Waouh! 5 secondes! Elles sont longues tes secondes, Tigny. Hein. Allez, je vois contrarié, mais. Pause de 15. Ok. Ensuite, on enchaîne sur des crunch W. Ça va être dur, ça, les filles de genre. Détendez vos abdos, profitez-en. Ouh! Crunch W, alors c'est ça. C'est parti! On s'allonge. On vient toucher ses pieds. Et on se rallonge. Évidemment, on évite de rester 5 secondes en bas. Hein. Je vous vois venir. On essaie d'être dynamique. Ok. Là, on a mal aux abdos.
À chaque remontée, on sent les aiguilles qui se plantent. Mais on peut le faire. Ok. Yes. Allez, on s'accroche. C'est bientôt la fin de la séance en plus, Tini. Et on est bientôt à la fin, hein. Magnifique. Magnifique. 5 secondes. Et break, et on va ensuite enchaîner sur un pendule. Ouh. Alors ça, vous allez kiffer les filles de Jean. Vous pouvez mettre vos mains sous vos fesses, on tend les jambes, et le but, ça va être de chercher l'instabilité avec les deux jambes, de les basculer vers la gauche vers la droite. Ok. On tend ses jambes, on bascule un petit peu. Là, vraiment, on revient avec la force des abdos. On cherche à aller de plus en plus loin, c'est dur, et on revient. Ouh. Alors là, on ne se laisse pas embarquer par les jambes. Hein. Le but, c'est pas de finir couché. C'est un peu comme le bateau qui tangue, tu vois. T'as le mât qui se balade. Et il faut le ramener grâce aux abdominaux. On inspire bien. Ok. 5 secondes. Celui-là, c'est pareil. Franchement, il a l'air de rien, mais qu'est-ce qu'il est dur. Et break, 30 secondes de pause. Ouh, mérité. Et on enchaîne ensuite sur le dernier bloc, le finisher, abdo sur 3 minutes en 30 secondes non-stop. Yes. Et le premier exo, c'est un mountain climber. Et je sentais qu'il allait falloir qu'on se relève à un moment donné ou à un autre. C'est l'heure ou jamais. Les filles de Jean, finisher abdo, on va tout donner. Soyez motivés. On va repasser sur ses mains. 3 secondes. On est en place. C'est parti. Mountain climbers. Ok. Et là, je peux vous dire que avec les abdos qui se sont fait massacrer pendant cette séance, ça va pas être facile. Mais on donne tout. Sur un gainage in, out, out. Ok. Allez, on accélère, petit sprint. 30 secondes, Tini. Oui, madame. C'est rapide. C'est le moment où il faut tout donner. 5 pas secondes. De pause. 3, 2, 1, go. Ok, on reste en place. On va chercher l'extérieur du tapis, puis l'intérieur. On enchaîne ensuite avec un bear plank. Ok. Quinze secondes. Yes. Allez, extérieur du tapis, puis intérieur, toujours une bonne respiration. Trois secondes. On est là. Go. Ok, bear plank. Wouh. Genoux proches du sol, mais on pose pas. On reste en tension, on a mal aux épaules. On s'accroche, les abdos sont on fire. Ça tombe bien parce que tu vas repasser sur le dos pour le prochain. Et ben, c'est le moment de tout donner. Avec un mini crunch. Superbe. Allez, on s'accroche. On tient, c'est dur. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ok, sur le dos, mini crunch. Hop. Ok, on décolle les omoplates. Seulement, et on se rallonge. Waouh! Quelle séance, les filles de Jean, aujourd'hui! Ensuite, on enchaîne sur un touch pied. Ok. 3, 2, 1, c'est parti! On étend les bras, les jambes, et on va venir toucher le pied opposé. Wouh! Celui-là, on l'aime bien, je l'adore! Il est dur, mais franchement, il est fun. On inspire. Bam, on touche. Ok. On va ensuite terminer ce challenge sur des ciseaux. Ouh, on termine en beauté, Tini. Moins d'une minute encore. On donne tout. Waouh. 3, 2, 1. C'est parti. Dernière 30 secondes. Ok. Donc là, c'est le moment de battre des jambes. On s'imagine un peu en mode French cancan, vous voyez. Waouh. On inspire bien. Quelle séance de folie. C'est avec ça, on n'a pas un six-pack, Tini.
J'abandonne, je me jette du pendant dans l'eau. Reste et c'est pas peu dire. Si on a encore besoin de toi. Ah, oui, et je sais. C'est terminé. Wouh, bravo les filles de Jean. Vous avez tout donné en notre compagnie. J'espère vraiment que cette séance vous aura plu, que vous avez mal aux abdos, parce que c'est vraiment là pour ça que l'on est là. Je vous fais plein de gros bisous. J'attends évidemment, comme toujours, vos selfies dégoulinantes et vos retours. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette séance. Et surtout, je vous souhaite une très très bonne récupération, parce qu'on se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite de ce bikini. Ciao, ciao.